appelle des noms à servir Jésus-Christ selon la doctrine prêchée par les prophètes des dieux William Marion Branham. Né le 14 octobre 1981, Baruch Tzikalala Carlos, troisième fils et cinquième de la famille du révérend Baruch Tzikasongo, évêque général du message du temps de la fin, et de maman Alphonsine Bazenga Baruti, aujourd'hui, l'époux de madame Neftali Yengo Baruti totalise 40 ans d'existence dans la terre des humains. Comme tout homme a une histoire, voici la sienne. Depuis le ventre de sa mère, Baruch Tzikalala est un turbulent, raconte maman Alphonsine Bazenga. Nabote ki bananyoso bazaki faible tana kuma ki nasima kala na bisi nzambe pesanga mwana balona kubota azala makasi priere na senga ki nzambe pesanga mwana mko makasi ya koleka azako tuna lubumba tuba wazami baloto wazabonu laki bazaka mwoko abotami kula botamaki l'hôpital me menait un azul de là-bas moi non plus azul bah autorisé bah doté bah tel au moins au Rwanda ni bah tel est le comme côté azané kabie bah ben nous sommes en anglais pour lui mais puis c'est viré la salaire gamelle au colon aille à cause de deux ans mais trois ans petit frère nanga azaki nakati a message a tika qui message après ça que a bien après ça qu'il fasse mal. Tout le monde a dit que les gens ne pouvaient pas se faire. Ils 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 ne pouvaient pas se nous connaissons un message. Après, moi, il y a tant de choses que je ne sais pas. Où est-ce que je suis? 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 Où est ce que nous avons dit, va prier pour ton fils, qui est dans la chambre, qui est dans le bon de 83. Carlos, c'est moi là, qui est un bébé, vite dans ma boîte. Et même pour Baya qui n'a pas de la main. Je suis un peu sacré à Carlos, et il y a des gens qui viennent à Baninga, qui sont sacrés à Baninga, pour moi, ceux qui sont sacrés à Kimimba, 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 jusqu'à son âge d'adolescent. Comme tout parent qui devrait instruire leurs enfants à suivre les droits chemins, la famille Baruti a essayé péniblement sur les cas de leur fils Carlos Baruti. Depuis son enfance, Carlos était différent des autres des enfants. Donc, je ne suis pas surpris qu'il devienne un prédicateur. Il était différent comment? Carlos, même s'il s'est fâché, mais il n'arrivait pas à frapper ses sœurs. Une fois, Rite lui avait provoqué, l'avait vraiment provoqué. Et Carlos l'avait attrapé, Rite avait fui. Et puis Carlos n'avait rien fait. Il l'avait pris, et après, il l'avait laissé. Ça, c'est Carlos. Un enfant qui aimait beaucoup ses amis. Il était comme moi.
toujours entouré des amis. Ses amis l'aimaient beaucoup aussi. Et on l'avait une fois arrêté à cause de l'un de ses amis. Parce que il y avait un problème là, quelqu'un voulait acheter la parcelle de son ami. Et Carlos a refusé, tout ça, c'était compliqué. Il était plein d'amour pour ses amis. La jeunesse semblait encore prendre les dessus sur sa vie. Par exemple, via Frère Banam, c'était un grand boxeur. Il a occupé la roulée avant au Nzambe à Bengaye. Son total de la vie a passé par route. Il a été homme fort. Il a été dans l'orchestre. Oyo, il a été dans l'arbitre Tato, dans l'équipe. Il a été président de l'équipe. Il a été direct chrétien. Mais malgré cela, Nzambe a un projet à malamo du corona. Et tant que Nzambe a été mis en place, Exactement comme Pasteur Carlos. Pasteur Carlos, c'est qui mon bas de mon corps turbulent. Moutou ma casse. Mais, à jamais y est mon corps. Attends, y est mon côté. N'a qui jeunesse n'a y est. À qui toujours quand un groupe à Baninga. Allez, c'est qui moi passe. Parce que papa a dit que regretter toujours son année. Moi, nous avons eu un jour à Simba Bible, nous avons eu à terre. Mais il y a un camarade qui a été à Zonga Kata. Et là, on a eu un peu de temps pour nous, mon corps, mon son, papa. Ce qui m'a dit, c'est que nous avons eu. Mais les parents gardaient toujours foi en Dieu, car lui seul apporte la transformation totale au-delà de toute attente, confie Maman Alphonsine. Bien que difficile de voir son fils souvent trop près de la frontière, comme une vraie mère, Maman Afo les remettait toujours entre la main du Seigneur Jésus-Christ pour qu'un jour, ces derniers deviennent une lumière au service du Christ pour gagner des âmes. Ce qui est un il y a un petit classe à l'imbissinga, il faut que je la bonne de la Mon collègue, il a dit maman, prie au salaka. C'est ça qui est quand même un exercice mon corps, un pigeon. Un jour, je suis dans un salon à papa et à l'école, si je me souviens bien. Papa a pris la Bible, a pris une brochure, a pris une bonne femme, et puis Carlos a commencé à prêcher son père. Papa a commencé à le coach jusqu'à ce qu'il a commencé à dire que c'était tellement bien.
mais na place oyo na nga ki peut-être le loco na place oyo il fallait que le babo na place il fallait que le babo alors il allait qui vraiment exercice mon quoi ça là qui est et puis tant que comme diacre papa a commis à pécier jour mususu ezaki un certain dimanche première fois nyate ya na ba au tabernacle ezaki dimanche à tei et puis c'était merveilleux. Fidèle à son temps et au rendez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a exaucé les prières de ses parents, les conduisant prêcher dans une église de réveil située en face du quartier Mama Mobutu. Cette nouvelle s'est vite répandue dans la famille et proches. C'était comme les coups de tonnerre qui retentissent pour annoncer un changement profond, comme en témoigne ici le révérend Baruti Kasongo, le pasteur Ngobo et tant d'autres serviteurs de Dieu. On a bisous mi balé dans le salon. On a été à la Dieu. Alors, ben, là, papa, Abib, papa, là, il y a un matin, on a un serviteur de Dieu. On est dans mon salon, on a été. On a eu le pasteur Carlos. D'abord, on a eu le pasteur Baruti. Et il y a ceux qui ont été à la moine et à passer par où ils allaient vraiment mouto et à Sungaki, pasteur Baruti, Namusala et Anzambe. C'est-à-dire à soutenir qui pasteur Baruti Makasi. D'abord, on a eu bien comme caméraman, on a bandé au tambour là, pasteur Baruti, qu'on filmait, qu'on imagé, qu'on arrangé, qu'on salaké, un pasteur Baruti, bah, archivé, Zala. Ma image naïe, ma campagne naïe, à Salé, puis accompagné partout. Na ba province presque nyo sobisika passé par où j'avais n'ayez aucune. Et pour n'anga na bandeau kota na vu mais moi na oyo moi na passé par où ti aza kaka loko la bana nyo sauté mais azui penza posa ya ko soutenir ministère ya passé par où ti. Même la bicycle, il y a des dangers, des avions, même Makanza, il y a des risques, Makanza. Na ba kati ya ba risque nyoso wana azalaki toujours pembeni ya pasteur Baruti. Pe na yebaki tango bandi nano même abandi kote ya te na Baruti tabernacle nano pe akomaki diacre te babandi kobenga na ba église de réveil. C'est que bamonaki quelque chose na kati na ye azoke nazo prêcher ba malade. Azo prier pour les malades, azo bika, zamba azo sala. Et d'être même passé Baruti, ayebaki et angoteki ate yaka. Vous savez, quand on parle de quelqu'un, souvent on choisit des anecdotes, des mots qui conviennent ou qui plaisent. Mais j'aimerais quand même être un peu plus véridique. En ce qui me concerne, moi je suis à Beka, à Riguinée à l'époque, là où j'ai été même aujourd'hui, hein, à la réunion du comité de soutien. Carlos, pour moi, c'était le fils du pasteur Baruti. Et je crois que le fils le plus turbulent et, et qui inquiète les autres parents, bien sûr. Bon, pas moi, parce que moi, j'étais aussi le fils le plus turbulent de mon père. Donc pour moi, je n'étais pas inquiété, mais je sais que les parents l'étaient en tout cas. Et je dis, pour moi, c'est une espérance, simplement pour que les serviteurs du Dieu sachent que la Bible est la parole irrévocable de Dieu. Parce que la Bible dit, montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand il ne se détournera pas. Et pour Carlos, le pasteur Carlos, je veux dire, cette écriture de la Bible est accomplie. Quand on apprenait déjà qu'il prêchait dans des petites églises, moi à la juridiction de Maman Mobutu, je dis viens, tu vas prier. Il a prié pour sa première fois, je crois, dans une église. Bon, c'est l'église du message, hein, parce qu'il était dans les églises de réveil. Alors j'ai dit, tu vas prier aujourd'hui. Il a prié ce soir-là.
Et maman Afo était même surprise. Ah non, moi je dis, mais c'est un serviteur de Dieu. Et quand on a aligné les prédicateurs, j'ai placé son nom pour qu'il prêche. Ça a étonné les gens. Et moi j'ai dit, il doit prêcher. Ici à l'église. Oui. J'avais placé le nom. À ce moment-là, bon, les pasteurs nous avaient donné la liberté. Enfin, c'est nous qui mettions un peu, qui proposaient. Alors j'ai proposé. Même si papa avait hésité un peu, mais j'ai dit qu'il apprenne quand même. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je le vis d'abord tout petit en train de prêcher dans une église de réveil vers Maman Mobutu. Et après, il a fait son parcours, diacre, pasteur à Boma. Et aujourd'hui, il est assistant, pasteur associé. Et nous travaillons ensemble. Hein? Vous ne le verrez jamais se faire quelque chose disant qu'il est l'enfant du pasteur Baouti. Non, non, non. Il est là, il respecte le principe, il respecte le travail, il est discipliné. Et il est vraiment attaché au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un hôtel sur le pasteur Carlos, Azali Kolo Ngomba, Bissotoan Asie. Mais Azuli Sunobo Konae, Azako Atirenga, Abenga Tibisika Vandenga Ngomba. Tant qu'on a qu'un comme on a pasteur Nze, frère Nze, Aibisinga, Carlos Azana ministère, Yopozana ministère. Mais le ministère à Carlos et au fondement de l'église, donc pour ça, l'alliance, à travers l'alliance, ce ministère est fondement. C'est par là Carlos a fait la lumière. De toi qui es au Banda, de la Québec, la pasteur Carlos, par rapport à la vision, nous avons battu ça en rapport à la que nous avons battu ça en rapport à la vie, nous avons battu ça. Il faut que tu aies un sang malade. Abi Daniel, tu as vu que tu as un pasteur. La première fois que j'ai vu Carlos, dans les services de Dieu, c'était, il a voyagé avec Beka. Je pense que c'était une campagne, je ne sais pas où, vers l'intérieur. Oui, j'ai vu ça sur les vidéos, j'ai voulu pleurer. Ça m'avait ému, j'avais presque les larmes aux yeux. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, Carlos, je le vois en train de servir Dieu, en train de chanter avec les autres vases, les frères Ngobo. Et puis Carlos était sous l'onction. Maman a dit, oui, ton frère, Dieu a fait quelque chose. Hier après comme la macaïte, ma sangapé a mélaté. Mais à quoi au coup ninga à l'époque pour zaki, butu ya batu. Aye ma guité que à cause la serviteur de Dieu, zambi butu a cambié. Oui, tobané ko tambole ensemble mais ko tambole ensemble les autres synonymes te que ya cause la bino son dengue mago. Butu na butu zai na éducation où tu n'as pas na bango malgré vous êtes des amis. Hier personnellement azaki vraiment. Na kibo jeunesse na ye ndenge bato su ba passa ngoti. Uninga sucré a komela kolokola baninga nyonso awo ba komela ba guna bango ba meli mais ye depuis à l'époque en tout cas makamu susu ya ko oya masanga oya nini kote wana vraiment té rélo kote ya ba ndenge komela mingi mingi ba ndo linga Sprite. Mingi mingi ki Sprite soka meli Sprite na ye ou bien tonic. Je suis venu à la maison. Je suis venu papa la maison. Je voyage à Landi. Carlos est devenu prédicateur. Je dis, oh! Et il prêchait quelque part ici, hein, à côté de Maman Mobutu. Quand vous montez à droite, oh, c'était autant des groupes de prière. Ils étaient assez nombreux. Et quand elle a prêché là-bas, je dis, mais qu'est-ce que Carla prêche? Moi, je voulais savoir. Il prêche quoi? Après ces moments qui marquera à jamais son appel à servir le Seigneur Jésus-Christ,
Carlos Baruti Kalala s'est senti poussé par le Seigneur Jésus après la visitation d'accompagner son père dans le champ missionnaire partout où le Seigneur pouvait les solliciter, tels que à Yimbo, Bondo, Équateur, Kisangani, dans les Congo profonds. Le jeune Baruti Kalala Carlos Beka Junior a su donner le meilleur de lui-même pour aider l'évangile, comme témoignent ici quelques serviteurs de Dieu. Si vous suivez le voyage missionnaire qu'on a effectué avec le pasteur Baruti, il était là. Et ce qui est un peu spécial pour lui, il ne considère pas le pasteur Baruti comme son papa. Il le considère plus comme serviteur de Dieu. C'est ce qui m'a plus touché tout le temps que nous voyageons avec lui, parce qu'on a toujours été avec le pasteur partout. Et le révérend Carlos n'a manqué nulle part. S'il faut descendre à la boue, il descend. S'il faut passer la nuit dans des nattes, dans des situations compliquées, on est ensemble. Alors, comment il est devenu pasteur associé à Baruti Tabernacle? Depuis la visitation divine qui a allumé le feu, l'évangélisation à son serviteur Carlos Baruti Kalala, il devrait attendre son heure d'élévation qui interviendra en 2015 où il est conduit au rang de diacre de Baruti Tabernacle. Vous vous souviendrez de la campagne Docteur Josie en 2016 au stade Tata Raphaël à l'époque. Les jeunes diacres Carlos mobilisent tout Kinshasa lors d'un carnaval motorisé pour que les Kinoises et Kinois participent en masse à cette grande messe des trois jours et vivre la réalité du docteur Josie à travers son serviteur Baruti Kasongo Léonard. C'est le docteur Josie. Au deuxième jour, lors d'une interview accordée à l'équipe de Wabasango, le révérend Baruti Carlos Kalala confirme que demain, le stade sera plein jusqu'à inonder la pelouse. Ce qu'il avait prédit a été vécu avec émotion où nous avons vu le stade de Tata Raphaël être envahi par les fidèles venus à la rencontre du docteur Josie et ces derniers a répondu, présent par des signes et miracles incroyables. 2018, le pasteur Baruti Kasongo nomme Baruti Kalala Carlos comme pasteur associé. Une nouvelle qui a secoué les lignes, mais dont l'assureur Jésus-Christ a témoigné le soutien indéfectible à son serviteur Baruti Kasongo, parce que telle en était sa volonté. Plusieurs témoignages ont soutenu l'élévation de Carlos Baruti comme pasteur associé, comme nous témoigne un frère depuis l'Afrique du Sud qui, dans une vision, a vu le pasteur Baruti donner les clés de sa voiture Toyota Pickup à Carlos Baruti et lui dit de conduire jusqu'à la destination. Ça s'est accompli exactement. Dans la vision, quand j'ai vu ça, nous étions en train d'aller en voyage. Et nous devions monter dans un pick-up. Alors, la personne qui était là-dedans, qui distribuait de la place, c'était Baruti. Et tous nous devions monter là-bas et que Baruti nous donne de la place. Quand chercher à monter, pour moi c'était très difficile. J'avais monté, mais très difficile. Péniblement même. Et quand je monte, je trouve Pasteur Baruti confortablement assis. Et à côté, c'est Carlos confortablement assis. Une fois, tu as quitté ce jour-là. Alors, brusquement, tu as un embouteillage juste à l'entrée à Maman Mobutu, et qui est un triangle. Tu as un embouteillage, donc il y a un bouchon mon corps, terrible, à tel point que tous les quatre bandes de Yakoma sont bouchées. Tu as été pendant 1h30 sur place, tu as bougé. À un certain moment,
na mopanzi nanga parce que yo mutaka ko kumba et ça que trois voitures est mati R est menti, troisième a commis juste place nga na zalaki mamoko le monsieur a epsinga bonjour madame na lebi bonjour a lebi Dieu m'a dit que ton mari sera un grand serviteur de Dieu et il prêchera l'évangile comme son père. Maintenant, on a la lobby. Comment tu sais que c'est mon mari qui est là? Aïebsinga a lobby. Dieu m'a dit qu'il est ton mari. Et Mouban n'a aïebsinga le sous a lobby tout naïe. Comment il sait que mon père c'est un grand pasteur? Aïebsinga le sous n'a pas na tout naïe. Yébé mouton a zon ici. Abi, c'est Dieu qui m'a dit qu'il est le fils d'un grand pasteur dans ce monde. Na moment où tozo discuter na tozo solola na ye. Er kaka sili si koloba, tozo zong sara misu na biso poto tala nzela. Nzela nyo se komi polele. Donc mi tuka nyo se disparaître. Na mbala mongo tobi. Tuka mwe donc ya talinga nga pena tele tobi. Ah. Donc nzambe atiaki ambuteyage kaka po. Tokutana. Malgré plusieurs critiques, l'homme de Dieu restait confiant en lui-même, surtout sa particularité de prêcher la bonne nouvelle dans les traces du prophète William Marion Branham. Si tu viens à Dieu, mais qui dit ça? Rabaisse-toi. Son père, sa mère et ses frères et sœurs sont très honorés. Mon mari représente tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Après le Seigneur Jésus, bien sûr, il représente la boussole dans notre foyer. Parce que celui le conducteur, il suit le Seigneur Jésus et nous, mes enfants et moi, le suivons. Il est le protecteur. Quand il sait qu'il y a un événement qui va nuire à notre foyer, à protéger ma casse, moi et mes enfants. Souvent, il sort le premier. Et puis, à bon bibiso parce que à l'inarate que ma bé ezoanga ou bien ezoabana mangaï. Dans notre foyer, il représente la sagesse. Il me conseille deux fois dans mes prises de décision. Il représente l'amour. Je l'aime beaucoup. Il représente la force. Quand il est là, en tout cas, moi, je me sens en sécurité. Bref, il représente tout. C'est un Dieu couvert de peau pour moi. En tout cas, c'est un homme très généreux, compatissant, plein d'amour. Mais la qualité qui parfois me dépasse chez lui, c'est son sens de pardon. Il pardonne et oublie. Alim sa trahison sous impardonnable, je vous dis. Nana mona batuko humilié ko critiquer. Mais mon bal nanga kutena bango yamba bango. A continuer même ko linga bango et puis jusqu'à présent alinga bango. Batuana nandenga na yebi nandimite ke basi bakutane pe basenga pardon. Mais sans leur pardon, mon mari continue à les aimer. Pour la relève du ministère du révérend Baruti Kasongo Bilindjadi, quelques hommes de Dieu ont livré ici ce qu'ils pensent du fils Baruti Kalala Carlos Beka Junior. Et tu as vu qu'avec le pasteur Carlos, il y a un espoir pour la Baruti Tabernacle, la Mikolo Koya, la Bamboule Koya, la Ganissi. Ata papa Baruti a lobi a lembi a zoko kasuko lobate me aye bake pasteur Carlos azali wana oyo akosala exactement oyo pasteur Baruti azosala. Tu n'as plus le droit de baisser l'étendard parce que beaucoup de gens reconnaissent Beka en toi. Carlos, beaucoup d'amitié. Oh mais je t'aime vraiment parce que tu es vraiment quelqu'un qui est sincère. Va de l'avant dans ton ministère,
Tu as été une très grande bénédiction pour mon église à Liège. Mais même dans la télévision, même dans la route de Tabenak, partout, il y a des ministères. Parce que le ministère n'est pas là où ils ont été. Ils ont attiré partout. Ils ont donc. Sers le Seigneur comme ton Père le sert, avec intégrité, sincérité. Comme la Bible dit, chasse le mal des milliers de toi, chasse le mal des milliers de peuple que Dieu t'a accordé. Je sais que tu as un avenir heureux et reste attaché à ce message. C'est là, c'est ma parole. Carlos, tu es un vrai serviteur de Dieu. Peut-être que les gens n'ont pas découvert cela, mais aujourd'hui je suis content. À travers le monde, il y a beaucoup d'éloges qui viennent de partout pour confirmer qu'on ne peut pas jouer, faire l'erreur avec le ministère de Carlos Baruti Kalala. Toujours prier. Au commun, papa Ngobo, Ayemsiye, parce que Bakalala a co-exoté. Ceux qui ont bandi co-exoté, Oksu et Kiti de Kolonaye, donc beaucoup de télémawan a des éditants. Alors, tu as encouragé. Nous sommes tous les bateaux, premiers pour nous encourager. Parce que Carlos, dans le ministère, n'est pas le débit, il y a ministère. Alors, tu encourages qui est papa. Tu as une expérience. Ça c'est moi. Na lobite muto andima mengai moko ne ndimango na za convaincu ne loko na oloba. Alors na monaki bonzambe katina mo amobali wana humilité, patience katina ye un homme qui ne fait pas de gens de asala muto mabete. Azongi cela kapé muto mabete. Alors na ndenge akobaki diaka ya komi pasteur lelo mokili mobimba. À moi que ça n'a pas été fait pour le pasteur à l'obaki en lobby vendredi. Mais ce que c'est ma soeur d'Abraham, c'est que c'est un fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, c'est une inspiration énorme. Aujourd'hui, dans le Baruch Tabernacle, nous avons nous comptons avec lui. Donc, ce n'est pas parce qu'il est fils du pasteur Baruch. C'est comme Frère Branham avait aussi des enfants. Mais il y a Joseph Branham qui est prédicateur. Alors que Billy Paul est là, c'est comme chez Pasteur Baruch aussi. Nous avons Bob, c'est un petit bien, qui a occupé aujourd'hui sa place aux côtés de Pasteur Baruch. C'est ce que nous tous nous avons aimé. Mais quant au sacerdoce, c'est donné à Carlos. Et puis dans une famille, c'est toujours comme ça. Et puis, il y a un esprit vraiment. Il y a ma lame. Il y a un esprit vraiment. Il y a un esprit vraiment. Carlos, tel que tu es là, j'ai confiance en toi. Que Dieu te bénisse. Il y a un esprit digne et il y a confiance dans la vie. Même matin, papa a dit qu'il a placé pasteur Carlos Yawa. Il a dit qu'il a vendu kuna na Canada ou bien aux États-Unis. Il a placé pasteur pour moi. En tout cas, je dirais au Dieu, je suis content. Soutiens, continuez à soutenir papa. Et ça nous interpelle tous. On va passer à ceci, Moussoussou. Ma bande de cognons, nous avons apprécié notre papa Nabiso, Biso Bananaye, pour continuer à soutenir Yé. Papa Nabiso, na maman, Baoumela qui n'a enlèvement. Et voir aujourd'hui Carlos devenir pasteur, Carlos prêcher la parole de Dieu, non, ça c'est la main de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Il ne faut jamais déconsidérer quelqu'un. Parce que ce que Dieu pense pour la personne, pour son futur, personne ne le sait. Vraiment, pasteur Carlos, je vois la main de Dieu au travers de ta vie. Aujourd'hui, tu es devenu un grand serviteur de Dieu, un grand pasteur. Nous pouvons dire que merci au Seigneur Jésus-Christ pour la vie du pasteur Carlos. Aujourd'hui, tu as totalisé 40 ans. Et que cette année qui s'est ajoutée là soit une année vraiment de bénédiction.
Dieu t'a élevé au rang d'un pasteur. Donc tu n'es pas un petit pasteur, mais tu es un grand pasteur. Et nous pouvons dire que si demain, s'il y a un lendemain, et que nos parents quittent ce monde si le Seigneur tarde à venir, nous pouvons voir que l'avenir de Beka Tabernacle est vraiment rassuré. La relève est rassurée. Tu prêches tellement comme le pasteur Baruti. Et tu as l'onction, tu as tout ce qu'il le faut pour être un bon serviteur de Dieu, pour être un bon encadreur, pour être un bon pasteur. Tu es déjà pasteur. Je crois que l'avenir de Beka Tabernacle est rassuré pour demain avec le pasteur Carlos. Disons merci au Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde encore beaucoup, beaucoup plus d'années pour les jours à venir. Ozali l'homme du réveil. Ozali Penza, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ma prédication na yo, chaque fois na landaka, na zoka toujours inspiration. Ozana particularité moko na likabonza mapesio. Mosala na yo eza munene. Liboso de loyo tozo simba maboko ya évêque Nabiso pasteur Baruti, lokola ndenge ba Josué ba simba ki maboko ya Moïse. Kasi toyebiete nzamba tie wana mosala ozosala ezomonana. Nzambe apesi biso na mokili. Toyebiete mosala ezali makasi liboso. Yango tozali kosenga Nzambe apesa na yo makasi, bonne santé. Donc moi na mama na nga moi na papa. Donc tant le papa créé. Donc tout ça m'a quitté mon papa. Nous avons pas mon père. Donc je suis 40 ans. 40 ans ils aient le comme qui était. Donc ce que tu as dit papa ou à côté du sol. À ce moment qui charge à côté de toi dans la route que tu as bien que ça vient de 40 ans. Donc nous avons pas mon père. Après ça aussi sous beaucoup beaucoup de sagesse. Nous pas besoin de sagesse. Mais nga souhait à rien. Enseigne des amas pour saluer beaucoup de sagesse. La tienne sera une sagesse, oui, pour Kama. Bateau, il y a capable de nous pour son amour. Oui, il dit sagesse et sagesse. Et tant que votre grand frère, il a souhaité ma bonheur. Et tout, surtout, il dit sagesse, il a abandonné sur ce sagesse. Donc, nous avons fait un maillot, 40 ans au commissaire, et ma camarade nous m'a comme à l'inviter. Pour beaucoup de gens qui ont été en train de nous commissaire, 40 ans. Je ne peux que le souhaiter le bien, le bonheur, la grâce et toutes les bonnes choses. Et Zalali Kolonaye a prospéré à Kendeli Bosso. Onction, Ozana Papa, Ezo Abeye, Elandaye. Nous sommes là contre moi. Il avait dit quand je serai fatigué, je prendrai ma Bible et je remettrai à Billy Paul. Après, quand Joseph Bonham a grandi, puisque quand il apparaît, de cela à Billy Paul, Joseph Bonhomme n'avait que 4 ans. Après, il dira, je remettrai à Joseph Bonhomme. C'est que, il va mettre son fils, non? Il n'a pas dit que je vais remettre cette église à quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Quelqu'un qui a sa maison comme ça, il dit, je vais remettre ma maison à quelqu'un d'autre, non? Donc, pour moi, il est parmi les meilleurs prédicateurs que je connais. Après, avec l'âge, je commençais à penser, mais il faut que Carlos, peut-être qu'un jour je ne serai plus en vie, qu'il prenne ma relève. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste.